Let's start again. Yo les potes, c'est Neski pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve sur Rainbow Six Siege. Oui, enfin. Voilà, ça a été beaucoup demandé sur ma chaîne. Donc, Neski, c'est quand que tu reprends les lives et Rainbow Six et autres. Et donc, moi j'ai envie de dire que pour l'instant, voilà, je ne suis pas sur Rainbow Six étant donné les nouveautés qu'il y a et tout. Donc, voilà, voilà. Ici, donc je vais vous proposer un gameplay d'une part. Donc, c'est parti, je vais garder vite fait mes trucs. Donc, vous voyez que on peut en avoir 5. Donc pour le coup, 5, c'est ce qui veut dire 5 jours sans jouer. Là, j'en ai 3, donc ça fait 3 jours que je n'ai pas joué à R6. Donc, réussir à intégrer la tête RE, terroriste, je supprime. Chasse aux terroristes, je supprime. Donc, mon objectif en multi est de réussir un headshot. Donc, c'est parti, je vais directement classer. Donc, vous pouvez voir que je suis actuellement or 3. Ceux qui sont chauds, donc j'étais monté en or presque 1. Malheureusement, avec des potos on a joué et tout, et comme moi je fais que du classé sur R6, voilà. Donc si vous êtes chaud et que vous jouez en classé sur R6, les gars, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça on pourra peut-être jouer ensemble. Attention, je recherche donc des joueurs qui sont assez balèzes. Et puis voilà, parce que j'aimerais même remonter une petite équipe, pas mal de gens ont lâché l'affaire. Donc voilà. Dont un, que ça me fait un peu chier, l'ami Seb. Mais bon, après libérer son choix, À vrai dire, on va dire tout se joue sur la co aujourd'hui en 2017 pour les jeux de baston. Donc que ce soit un R6, un R6, un Call of Duty, un Ghost Recon ou autre. Si t'as une connexion de merde, voilà, tu seras vite à terre le premier. Donc voilà. Donc ici je suis solo, vous pouvez voir que je suis solo. On va parler un peu de l'avenir. Donc ici... cette semaine, il y a eu le DLC GTA qui est sorti, donc je vous ai sorti déjà une vidéo en plus le mardi. Je vous ai mis... j'ai voulu être dans les premiers, et puis voilà, j'ai bien fait dans un sens. Donc ce qui est pas mal, voilà. Ensuite, donc n'hésitez pas à vous abonner, les gars, de toute façon, parce que moi, ça me fait plaisir, ça a grandi la chaîne de jour en jour, donc voilà. Ensuite, aussi, mettez un like, papotez par commentaire, ou dites-moi ce que vous aimeriez bien voir. N'hésitez pas, je réponds à tous les commentaires. Je suis pas comme tous les youtubeurs où je vous laisse dans le vent. Voilà. Bon, il y en a certains qui répondent, mais d'autres qui laissent beaucoup dans le vent. Mais moi, je réponds à tous les commentaires que j'ai, étant donné que ma communauté est encore petite. Donc voilà, j'en profite d'être assez proche de mes abonnés, ce qui est plutôt pas mal. Et voilà. Donc, je répète mon planning. Je répète mon planning. Donc, lundi, mercredi. Donc lundi, farming sur la chaîne. Trouvez l'emplacement du conteneur radioactif.
Emplacement du conteneur radioactif inconnu. Vous pouvez attaquer. Charge spéciale, reculez. Attention, c'est activé. Les morts prêtes. Drone en service. Conteneur radioactif localisé. Il reste 15 secondes. Reprenez la sécurisation du conteneur une fois la menace enrayée. Il reste 10 secondes. Il reste 5 secondes. Sécurisez le conteneur. Hello. Merci à tous les gars. En tout cas, ça fait super plaisir d'avoir eu ce kill. Bon, j'avais plus de balles. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Les Ken au petit gun, le mec il avance comme ça, la tête baissée dans l'objectif. Donc voilà, et franchement j'aime plutôt la stratégie de l'équipe parce que le mec il m'a pas laissé en plan, ça c'est super sympa. Donc il m'a pas laissé en plan, il m'a réanimé et après on est rentré en force dans le truc. Il a été blessé donc il a pas eu sa mort parce que le mec n'a pas eu le temps de l'achever. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait, je l'ai fini, ce qui est plutôt pas mal. Donc vous voyez en fait c'est quand même des gars de level. Donc ceux qui sont en cuivre, en bronze, désolé pour vous les gars, mais ça ne sera pas possible de jouer avec vous. Je prendrai plus des personnes qui ont un truc minimum. Je vais demander minimum argent 2, argent 1. Sécuriser la salle. C'est plutôt pas mal. Mais en dessous, désolé pour vous les gars, mais je ne peux pas malheureusement pas vous aider. C'est même pas question d'aide en fait, c'est que je pourrais même pas vous jouer avec vous parce qu'en fait le level est trop bas et le fait de jouer avec des levels trop bas, c'est les levels hauts qui sont pénalisés. Donc désolé pour vous, malheureusement je ne pourrais pas jouer avec vous. Donc soit vous prenez l'entraînement et on jouera ensemble, ou soit vous faites rien et voilà, au final vous êtes pénalisé, ce qui est un peu dommage je trouve. Un peu dommage. Encore 5 secondes. Si je mets une barricade. Hop fort, voilà. À localiser le conteneur radioactif. Déploie mon système anti-grenade. La porte est renforcée. Alors, il n'y a personne.
là. Je suis vraiment désolé pour le micro, les gars. Franchement, je vais essayer de résoudre ça au plus vite. Ça me fait un peu chier. La trappe a été faite, nickel. Regardez un peu les caméras. Ah bah, ils ont niqué toutes les caméras, sauf celle-ci. Système en place. Système activé. Trois V5. Non. Allez les gars, j'attends. Mais derrière les gars. Bah ben, oui, derrière. Ah, elle était où? Oh, la trappe. Bah ben, je m'en bats les couilles, j'ai fait deux kills. Vous voyez en fait, ici je viens de mettre deux kills de ouf. Franchement, je trouve vraiment génial ce que j'ai fait là. On était 3v5, j'en ai liquidé 2, donc ils sont largement bénéfiques, il leur reste H et Termite. Voilà, donc je vais mettre ma cam en position, voir un peu lui ce qu'il fait. Vis-à-vis des scores, il a pas l'air très fort, il fait 0 kill. Donc l'objectif est contesté, donc c'est qu'il est vraiment. L'ennemi est vraiment dans le truc. Ils sont à 2. 15 secondes. 15 secondes. Fort, sécurise mec, le conteneur radioactif. Garde la ligne, mec, tu aurais dû pas aller chercher. T'as mis une tête, voilà, t'as mis un headshot avec la R4C. GG à lui en tout cas. Donc j'ai vraiment, on va dire. Des merdes avec moi encore une fois, donc il y a deux types avec nous qui font 0 kill, c'est moi qui fais plus ou moins la game. En face il est vraiment tout seul à jouer une Terstone, donc voilà, qui viennent nous mener un petit peu. Ouais, je trouve pas ça top en fait, donc je vais prendre fuse pour dire de pouvoir fuser. Donc je vais me mettre là étant donné... Ah non, quoique, ils vont peut-être aller dans la salle de bain au-dessus. Et donc je vais vous montrer un petit peu une petite technique que j'ai eue moi-même et que j'ai appris vis-à-vis des joueurs compétitifs. Donc c'est des joueurs compétitifs, c'est en regardant les joueurs compétitifs que j'ai appris pas mal. Donc voilà. Je pense pas qu'ils vont se remettre en bas. Non. Non, non, il doit être dans la chambre au-dessus. Ouais, c'est ça, dans la chambre. Au-dessus. Ah non. Non, t'es sérieux, ils sont encore en bas. Parfait. Conteneur ouais, ils sont encore en bas, GG. Oh bah. GG, moi je m'en fous. Il y a un endroit où ce que c'est du plancher. Je vais me faire plaisir. Honnêtement, je vais me faire plaisir. 10 secondes. Ici c'est tout du plancher par exemple, et l'objectif il est juste là en dessous et c'est tout du plancher. 5 secondes. On va faire comme tout le monde, on va poutrer ici. Donc... Ici je vais mettre. Rejoignez l'emplacement du conteneur radioactif et sécurisez-le. Ah merde, ouais j'ai changé mon spawn comme un teubé. C'est rien, on va niquer les cons. Voilà. Donc on va aller. Je vais aller carrément à cet endroit là. Donc voilà, on est arrivé, on est au-dessus de l'objectif. Vous pouvez le voir, donc je vais commencer à fuser.
dans la ligne. Charge à sous-munition activée. Voilà. Charge à sous-munition armée. Donc, j'ai détruit pas mal de trucs. J'aime bien d'être repéré, coucou. Donc voilà, bah, je vais plus à cet endroit-ci. Je dégage la voie. Donc sur la lignée ici, hop. On va s'ouvrir une nouvelle porte. Charge à son mission. Barbelé détruit. Pas mal. Ne restez pas là. Ok, on est tous ici. Charge prête. Bon, elle brèche un petit peu partout, ça, ça risque de faire mal. Encore 15 secondes. Reprenez la sécurisation du conteneur une fois la menace enrayée. 10 secondes. Ah ouais, à droite. Bon, ben là, c'est moi qui a joué le con. Ils étaient tous attirés par ma brèche, j'aurais dû aller... J'aurais dû pas aller là. Donc celle-là, on va la perdre. Hein. Ah non, on a gagné. Waouh, ben bien joué. Hop fort, éliminé. Ça va, à part l'Undersberg là, je sais pas qu'est-ce qu'il foutait le mec, mais... Bah GG à toi mec, franchement ils ont géré ce qui était avec moi. Bravo. À part l'Undersberg là, bah ça doit être sûrement un Allemand ou un truc du genre. Il a pas géré du tout lui, mais bon, mis à part ça, les autres ça va. Donc voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Bah je crois que je vais prendre Frost. Ou Mira, même, voir Mira. Je suis hésitant pour le coup. Frost ou Mira? Frost, allez. Et on va armerie. Ok, donc on gagne 2-1. Plutôt pas mal. J'adore, ça va. Ça fait plaisir de gagner un petit peu. Étant donné que j'étais vraiment avec des merdes auparavant. Ça fait plaisir. On va dire, ça fait vraiment plaisir. Donc alors. Je vais mettre les pièges, bah, je vais déjà en mettre un ici, donc que s'il passe au-dessus du bouclier, bah, pour faire en sorte qu'il soit bah, vraiment dans le piège. Donc je vais faire la trappe. Ah bah ça va, il fait les trappes. Celle-là elle est faite. Le problème qu'il y a, c'est que donc ici, ils habitent. Encore 5 secondes. Ouvrez-moi, je dois recharger. Hop fort à localiser le conteneur radioactif. J'attends des infos. Ici. J'installe le matériel. Ok. GG à lui, il fait des trous dans le mur. Ça a pas été barricadé là? Ah non, effectivement, ok. On va barricader. Donc voilà. Et pourquoi il est mort lui? Ah ouais, il était au-dessus comme un peu. Ok, d'accord. Bah j'ai plus de piège, hein, donc... J'essaie de faire en sorte...
vais essayer de regarder comme tout à l'heure. Jackal est sous ma position. Ok, d'accord. Bah ouais, derrière. Bon, ok, GG. Ah bah ouais, j'ai été mettre la trappe. Ah ouais, il a pré-shoot comme ça à travers le truc. GG à lui, franchement. GG à lui, donc il s'est servi du bazar, hein, encore une fois. On a vraiment... Je trouve que... Il aurait dû pas rusher là avec son bazar, mon point de vue, voilà. Il reste que la caméra du garage. Ce qui est plutôt pas très chouette. Par contre, ton inclinaison, mec, c'est de la merde. Hein. Tu devrais t'incliner de l'autre côté parce que là, en fait, ton corps est en dessous. Donc, si le mec il vient, attention, il a la vue plus haute que toi, il pourra te voir et largement te poutrer. Et Jackal, il est bien par là, mec. Voilà, comme ça, on incline. C'est totalement, je monte à l'envers, mais c'est pas une raison, mec. Trésor en place. Leur charge. Ni installé. On a détruit mon piège. 15 secondes. Sécuriser le conteneur. Empêcher les sécurités de conteneur. Il reste 5 secondes. Un seul agent allié en vie. Protéger le conteneur radioactif. Ouais, reste là, mec. Reste là, c'est bien. Non, il vient de la droite, là. Là. Par là. Non, de l'autre côté, ouais, là. Mais mec, reste derrière ton bouclier, wesh. Putain, on a de la lumière. Ça se passe comment? Oh là 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 là. R4C, mec. R4C. Échec de la mission. Understone qui tue, mec, t'es vraiment une grosse merde. Parce qu'Understone... Ah non, c'était le plus fort de leur équipe, ouais, ok. R4C2H, elle fait vraiment mal, cette arme. Donc, ouais, bah, je vais prendre H pour le fun, allez, c'est parti. Ils vont certainement... Non. Non, je vais prendre Fus. Ils vont certainement aller en chambre, ouais, non. Donc 2-2 avec un seul joueur en face et deux chez nous. Donc moi et celui que machin moche 22 en fait c'est on est deux seuls à jouer de la game. Ah non, Mesaro Norbe là. Il y en a dessus, ils ont des pseudos de dingue, un truc de ouf. Donc on est que 3 à jouer sur cette. Trouver l'emplacement du conteneur radioactif. Un truc de ouf quand même. Parfait. Conteneur radioactif localisé. Garage, oh, ça va être cool. Garage, ouais, donc voilà, on s'en fout, ils sont garage, je vais pouvoir fuir au-dessus. Donc pour ceux qui regardent mes vidéos, bah, je vais vous montrer un petit peu la tactique que j'ai. Et franchement, la tactique, elle est vraiment bien. Insertion dans 5 secondes. Allez, on rejoignez l'emplacement du conteneur radioactif et sécurisez-le. Donc voilà, ici, vous allez apercevoir. Je recharge. Donc ici, il faut savoir placer son plus. Et si vous savez passer votre plus, il y a moyen de faire des dégâts. Hein? Mais c'est quoi les alliés de merde? Mais comment ils savaient que j'étais là? Arrête tes conneries, mec, ils voient à travers, quoi. Pff, ah ouais, non, il y a bazar, ok, ouais, ouais, il y a Pulse. Donc voilà, ben, malheureusement pour moi, ben, le mec connaissait la tactique, donc Solid Snake connaissait la tactique. Donc il y a Mira qui est là les gars, pour la poutrer. Du 3v3. Malheureusement donc pour moi, bah, la game ici, je fais rien dessus. Hansenberg, il s'est toujours pas réveillé, donc avec nous. Donc voilà. Pourquoi l'enlever, il est con. Il y en a un à sa gauche. Hein.
Mais qui sait vraiment pas utiliser le jackal en fait. Voilà. Le drone est prêt. Attends, le mec il analyse le mec et ensuite il se casse. Ils sont à 2 à 3 au même endroit, mais lol. Allez-y les gars. Activité ennemie repérée. Pour arrêter la sécurisation du voilà. Conteneur. Et l'autre il est en bas. Dernier agent allié. Il est là-bas mec. Tu l'as vu? Qu'un homme fort. Et le dernier doit être au-dessus je pense. Ils ont mis les drones tous au même endroit. Dommage. Encore 15 secondes. Allez mec, rentre, hein, c'est tout, je vais faire un truc. Il reste 10 secondes. Voilà, comme ça elle est faite. Même si on perd, c'est pas grave. Hein. Faites, voilà, je sais pas. Même si on, je préférerais même encore la perdre parce que, ben, franchement, voilà. Les alliés sont mous, je trouve, les alliés sont mous à rentrer, en fait, l'objectif, on doit pas, c'est comme nous, en fait, il faut rendre en force, comme on a fait sur la première manche, donc rentrer en force, les gars, et pas faire du pipi caca boudin, hein, tout des trucs ainsi, c'est vraiment, vraiment nul à chier, donc, ce que je vous conseille, c'est quand même de, bah non, je vais pas prendre ça, je vais prendre Mira, voilà, c'est quand même, de vous entraîner là-dessus, ce qui serait plutôt pas mal. Donc, chambre. Je vais voter chambre. Comme ça, on se fait poutrer et elle est finie. Parce que ça me gave un peu. Mais moi, je m'en fous de perdre ou gagner. Honnêtement, je suis là pour barricader le plaisir la du salle. Jeu. Il faut et protéger pas, le conteneur radioactif. Ok, pas pour spécialement, juste pour ça. Non. Je vais mettre une fenêtre. Là. Nickel, il renforce là. Il barbelé posé. Ah, moi je renforce ici alors. Opfort a localisé le conteneur radioactif. Voilà, nickel. Franchement, comme ça, bah, tous les côtés sont renforcés. Menace. 10 secondes. Système paré. J'ai protégé encore le mur. 5 secondes. Ouais, c'est une barricade. Hein, ça. Le drone d'Opfort a localisé le conteneur radioactif. Donc voilà, ce qui est pratique c'est que bah, ici je vais utiliser la tactique un petit peu pratique on va dire. Donc si le mec il vient là, là il vient commencer à faire des parties. Là, il s'est mis en grand danger, il a pété la fenêtre, chose qu'il aurait dû pas faire. J'espère pour lui qu'il va savoir s'en servir. Parce que... Voilà, maintenant, on est en grand danger. Après, si ça nous mène l'avantage, mais il y a un bouclier, ce que je doute vraiment. Voilà, je suis mort. Moi, en fait, j'étais emprisonné. Il a pété la fenêtre, ce qu'il aurait dû vraiment pas faire. Et l'autre, ben, il avait la ligne au-dessus avec son viseur point rouge. Il aurait dû vraiment pas... Ouais, voilà. Il aurait dû vraiment pas péter la fenêtre. Voilà, voilà. Bref, ben, j'espère en tout cas qu'ils vont perdre parce que franchement, ça me gaffe en fait. Il a fait une grave erreur qu'il aurait dû pas faire, péter la fenêtre. Même s'il a fait le kill thermite. Ça a mis en danger les alliés. Et puis, voilà. Donc, sachez une chose, c'est que... Ben, il y en a un qui est là à la fenêtre, il n'entend même pas, le mec il joue aux écouteurs. Donc là, là, il ne le voit pas, voilà, il ne le voit pas, Bandit ne le voit pas, attention. Il s'appelle Essenberg, c'est un gros noob les gars. Je vous recommande pas de jouer des joueurs ainsi, donc
Le mec, il est rentré. Il aurait pu largement le poutrer. Il a la MP7. Ici, se mettre à plusieurs dessus, ça serait vraiment stylé. Là, le mec, il se fait péter derrière et il est pas au courant. J'espère vraiment qu'il va le sentir quand il va se faire défoncer. Là, il cherche après, il cherche après. Il ne trouve pas. Donc voilà, lui, il s'est fait plaisir, il a fait un kill. Voilà, tu t'es fait rétamer, mec. Intervenez immédiatement. Dernier agent allié. Lui, il a encore rien compris aussi, lui aussi, au style de jeu. Donc, il est en train de capturer, lui, il a rien compris. Donc, on l'a perdu, d'office. Voilà, mec, t'as tout gagné, voilà. Merci à tous, en tout cas, donc, on a perdu, ce qui était plutôt pas mal, parce que, franchement, les deux joueurs, donc, le SNberg et le dernier qui était parmi nous, ils étaient vraiment à l'ouest, donc c'était, en fait, on va dire, du 3 contre 5. Et puis voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager la chaîne, et encore un grand merci à tous ceux qui me suivent. Je vous adore. Donc, abonnez-vous si ce n'est déjà pas fait. Merci à tous, likez, et puis, ben, je vous dis ciao, et bye bye, les gars.